Bonjour les amis, les gilets jaunes constituants du 91, du 92, du 93 et du 94, et certainement du 75. C'est quoi, voilà. Non, mais nous on va faire une action, c'est dur, on va pas réagir. Il est guignol ton pâte. Hein. Voilà, dans les rues de Paris, avec Thibaut. Invite-le, il y a un jeu à prendre à Montepachi Barquet. Voilà. Les amis, le jaune est à la mode. Partageons, partageons. Tenez, comme vous en banque, tenez, prenez-en. On est fraternel, on partage. Allez, ouais. Voilà. Bon, ben. Moi j'avais dit mon gilet jaune, mais l'esprit est là. C'est le virus. Hop, hop, hop. On est en direct. Eh bien écoute, cher camarade internaute, on est devant la banque d'affaires Montepaschi, banque d'affaires italienne très puissante. On va vous balancer un petit peu du dossier sur eux, vous dire pourquoi on est là, quel est le sens de notre présence. Et vous allez voir que c'est une bonne illustration de la puissance du capital à l'heure actuelle, qui a servi les peuples, qui a servi notre nation. Le capital au service du capital. Le capital au service de lui-même, la finance au service de la finance. Financier à fameur des peuples, même rengaine. Juste, je montre aux internautes, nous sommes pas loin de Madeleine. Donc si vous êtes dans le coin, venez nous rejoindre avec votre gilet. Voilà. On est là. L'honneur des travailleurs, Pour un monde meilleur. Donc l'objectif, les amis, comme d'habitude, hein, c'est de balancer de la data, alors. Vous pouvez, comme d'habitude, hein, nous, c'est jamais Conspi News, on va chercher nos sources dans les journaux économiques principaux, hein, donc c'est toujours du très sérieux. Alors là, en source, je me suis baladé hier soir, tu vois, j'avais rien à faire, et je suis allé me balader un petit peu pour me renseigner sur leur compte, et j'ai découvert des trucs pas trop mauvais. Tout ce que je vais annoncer là, ça vient du Figaro économique, ça vient des Échos. Les pages saumon du Figaro. Ah oui, elles sont belles, hein. Plus personne ne les lit, mais bon, sauf moi. Si, à l'Assemblée Nationale. À l'Assemblée Nationale. C'est pour ça qu'ils dorment. Oui, voilà. Il faut dire, ça se comprend, les pauvres. Heureusement qu'il y a un bon réseau Wi-Fi au sein de l'Assemblée. Comme ça, on s'emmerde moins. Alors, pour parler un petit peu de la raison pour laquelle on est là, n'hésitez pas hein, à vous présenter devant. On est quand même là pour les emmerder un petit peu, vu qu'eux ne se gênent pas, voilà. Donc la banque, est-ce que l'entrée n'est pas juste à côté et est-ce que ce serait pas plus opportun d'être à côté de l'entrée? À côté, donc c'est l'arche, leur entrée est là, donc là vous voyez, c'est un très beau bâtiment, c'est classique dans un beau quartier de Paris. Oui. Des habitants qui saluent. Des admiratrices, on l'espère. Bon, allez, reconcentre-nous sur l'essentiel. Ouais, on va se concentrer sur l'essentiel, alors. La banque Montepaschi Paschi, il est fort probable que beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas, c'est normal, c'est la deuxième banque qui a été rétrogradée en troisième banque d'affaires italienne, hein, il y a quelques années. Donc c'est pas non plus une banque de premier plan, mais je vais vous expliquer pourquoi on a décidé d'être là aujourd'hui. Déjà parce que c'est une banque qui débute en 1472, donc c'est une très très vieille banque d'affaires qui est issue, enfin qui a évolué depuis, qui a fait de nombreuses fusions avec d'autres institutions financières, on va dire plus modernes, pour devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Ce qu'elle est aujourd'hui, c'est une banque d'affaires en quasi état de ruine, on va dire. Puisque la Montepaschi Paschi, je vous le dis, hein, ça c'est les Échos, hein, a perdu 91% de sa capitalisation boursière entre 2008 et 2013.
C'est-à-dire que 91% de ses actifs en bourse ont été perdus entre ces années-là. Vous me direz, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Pour l'instant, une banque qui se casse la gueule, on peut que se réjouir. Sauf que ces banques-là qui se cassent la gueule, elles ont un impact sur l'économie. Et je vais vous le montrer. Alors, cette banque, comment ça se fait? Est-ce que perte de confiance des investisseurs, climat économique difficile, etc. Eh bien non, pas du tout. C'est une banque qui a massivement investi dans des crédits default swap, donc dans des crédits à court terme, à courte échéance, qui sont des produits financiers risqués. Elle l'a fait en connaissance de cause et elle y a perdu énormément d'argent. Qu'est-ce qu'on fait quand on est une banque d'affaires, qu'on perd énormément d'argent, mais qu'on ne veut pas être inquiété? Eh bien, on falsifie ces chiffres. On fait des fausses comptabilités, on fait des fausses factures et on dit tout va bien, les investisseurs continuent à rapporter de l'argent, continuent à investir chez nous, continuent à nous poser nos comptes, même si du jour au lendemain on peut fermer potentiellement. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Donc, je pense qu'ils vont commencer à le savoir. On est visible. Donc, ils ont falsifié leurs chiffres. Entre les années de... Alors, c'est des positions prises de 2008 à 2009. Ces chiffres ont été révélés à la presse, ces irrégularités ont été révélées en 2012. Mmh. Donc de 2008 à 2012, on est en plein paradis, c'est-à-dire qu'on fait de l'argent sur de mauvais investissements, la banque en perd énormément, c'est-à-dire que les clients qui investissent et les investisseurs dans ces banques en perdent énormément, mais pas les patrons. Ça, je vous rassure, leur rémunération n'a pas bougé d'un iota. On n'a pas perdu 91% de ça. Ils n'ont pas perdu 91% de leurs actifs, mais c'est normal, c'est... Ils vivent en mode de vie risqué, il faut les soutenir, il faut les aider. Voilà. C'est les capitaines de la banque. Mais d'ailleurs, nous souhaitons à la montée des Ipaski un bon rétablissement financier, on l'espère. Mais rétablissement financier, il y a eu. Parce que qu'est-ce qui se passe? Alors forcément, au bout d'un moment, quand ces chiffres la sortent, et qu'il est révélé que cette banque est en réalité en faillite, qu'elle n'est pas du tout en situation stable économique, cette banque, elle fait appel à qui du coup? Eh bien, à la charité de toi, de moi, de tout le monde, tu vois, c'est formidable. À la charité du peuple italien. Et donc, elle... Nous avons une difficulté dans nos finances. En effet, nous sommes en train de couler par les magouilles financières qu'on a mises en place depuis des années pour se faire du fric non indexable en modifiant nos chiffres, tu vois. Mais il n'y a pas de problème, on va quand même aller chialer auprès du gouvernement italien, auprès des autorités publiques italiennes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est une tentative de ce qu'on appelle un bail-out en économie. Un bail-out, c'est ce qui s'est par exemple passé avec Lehman Brothers en 2008, ou avec beaucoup de capitalisation financière au Dow Jones à New York. C'est des entreprises privées qui vont demander l'assistance de l'État en se présentant comme des garantes de la croissance des nations pour être renflouées par de l'argent public, par l'argent de vous et moi, etc., pour bénéficier au patron de cette banque et à ses actionnaires. Tu vois, c'est pas formidable. Un renflouement externe. C'est un renflouement externe issu des pouvoirs publics. Alors, ils n'aiment pas beaucoup les fonctionnaires, ils n'aiment pas beaucoup les pouvoirs publics, tu vois, ces gens-là. Bon, sauf quand il s'agit de raquer derrière. En élément de langage, on appelle ça la socialisation des pertes. C'est beau. La socialisation des pertes. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Hein. Mais écoutez, la prochaine fois que vous avez prochaine fois que vous avez un découvert sur votre compte au Crédit Agricole ou à la BNP, vous irez vous expliquer. Mais monsieur, je ne fais que de la socialisation des pertes. J'investis de manière intelligente. Allez leur demander de vous renflouer, vous verrez comment vous allez être reçu. Déjà, quand il s'agit de retirer 500 balles à une banque directement et qu'on n'est pas à découvert, c'est déjà compliqué. Alors imaginez ça. Et donc, ils vont s'adresser à qui? À la Banque d'Italie. La Banque d'Italie, dirigée par le sémillant que vous connaissez sûrement, Mario Draghi. Mario Draghi, actuel président de la BCE, de la Banque Centrale Européenne. À l'époque, il était encore à la Banque d'Italie, il a monté depuis. On l'en remercie, c'était sympa, ça aide bien. Et Mario Monti, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dégager un petit capital pour cette modeste banque qui a joué avec les avoirs de ces, des gens qui ont placé leur argent. Juste, tu peux rappeler Mario Monti, parce que Mario Draghi, Mario Monti. Mario Draghi, pardon. Ah, parce que Mario Monti, c'était peut-être le nom du gouvernement à l'époque. Mario Monti, c'était le nom du type qui avait fait la transition. Ouais. Comment ils appelaient ça à l'époque? Bon, je sais pas, un gouvernement technocratique en tout cas. C'était un gouvernement technocratique imposé par Bruxelles, voilà. En réalité, non élu, comme d'habitude. Mario Monti, qui avait été souhaité par les milieux d'affaires, déjà. Il avait été placé là par les milieux d'affaires, les banques privées, à la tête de l'Italie. Et donc là, on parle bien de Mario Draghi. Là, on parle de Mario Draghi. Mario Draghi, excusez-moi. Actuel président de la BCE. Bon, il a effectué ce qu'on appelle des Monti Bonds. Monti Bonds, c'est mieux quand c'est anglais. Et il leur a filé comme ça, bon, une petite prime, puisqu'il leur a reversé pour le sauvetage de la banque. 3,9 milliards d'euros venant du trésor italien. 3,9 milliards d'euros. Pour renflouer une banque privée qui a fait perdre l'argent de ses investisseurs dans des crédits default swap. Voilà. 3,9 milliards d'euros ont été donnés à cette banque. Je le rappelle. Hein.
C'est quand même hallucinant, alors que l'Italie n'était pas dans une situation... Charité bien rémunérée et commence par soi-même. Oui, bah voilà, c'est pas mal, hein. Non, bah, commence par ce petit milieu, oui, puisqu'ils sont tous issus du même milieu. Hein. Vous le voyez aujourd'hui, donc Mario Draghi, qui était président de la Banque italienne, aujourd'hui est président de la BCE. C'est cette même personne voilà, qui alloue 3,9 milliards d'euros du trésor italien, donc de l'argent en fait, public italien destiné à des investissements publics, à des banques privées, qui se sont mis dans la merde, pour parler vulgairement, sur des crédits default swap. On en est là, hein. Donc Mario, alors je rappelle, parce qu'il faut quand même aussi faire le dossier de Mario Draghi. Il y a ce qu'il est aujourd'hui, il y a ce qu'il était avant. Je rappelle que Mario Draghi, qui travaille aujourd'hui pour les pouvoirs publics, puisqu'il est patron de la BCE, hein, a commencé dans la branche européenne de Goldman Sachs. C'est formidable, hein, Goldman Sachs. Vous vous souvenez de Goldman Sachs? On s'en souvient, on les aime bien. Goldman Sachs qui était responsable aussi, hein, en très grande partie, dans la faillite publique grecque, hein, dans la dette publique grecque, dans l'augmentation de cette dette. Et cette même personne est aujourd'hui président de la BCE. On va aller leur faire un petit coucou d'ailleurs tout à l'heure. On s'est informé. Il y a un surnom d'ailleurs à Goldman Sachs, c'est Goldman Sachs, tellement ils sont en fait des conflits d'intérêts dans tous les sens, des conflits d'initiés. C'était un surnom qui a été donné par un économiste américain, Goldman Sachs. Ah, c'est pas mal, c'est ou pas Goldman mal. Ou Goldman Sachs, mais ça c'est plus vulgaire. Bah Goldman Sachs ou alors... Mais c'est plus vulgaire, donc bon. Bah Goldman Sachs, dans une certaine mesure, on se fait enculer, alors on peut parler de Goldman Sachs, donc vous d'abord. C'est non consenti en ce qui me concerne, alors je ne sais pas pour les autres. Bah, alors, c'est juste pour préciser que ça a été discuté devant le Congrès américain, même s'il n'y a pas eu, à la hauteur des discussions et des accusations... Tout à fait, et républicains comme démocrates se sont touchés d'ailleurs. Mais ça a été quand même discuté au Congrès, ouais. Ce problème. Alors, on continue, je reviens rapidement sur cette magnifique banque. Hein, oui. On remonte, allez. Ah ouais. Passerie banque, on ne voudrait pas comme ça que c'est en faillite, hein, mais bon, ça aide bien. Mais bon, c'est vrai qu'avec, je rappelle, hein, qu'avec 3,9 milliards d'euros distribués sur de l'argent public, on a les moyens de s'acheter de jolis bâtiments, c'est quand même l'avantage, sur de l'argent public. Hein. Donc allez squatter chez eux à l'occasion, ça a l'air d'être sympa. Ça a tellement bien marché, ces Monty Bonds, ah oui je précise parce que quand même, il faut le prétexte c'était qu'on allait mettre 9% de taux d'intérêt sur le remboursement de ces Monty Bonds. Hein. Eh bien ces taux d'intérêt ont été tellement bien remboursés que pour l'année 2017, on est à un saignant 3,5 milliards d'euros de pertes de ces mêmes banques. Ça sert hein, les gars, ça fait plaisir quand même, sur de l'argent public. Voilà, donc, on vous file 3,9 milliards, on en perd 3,5. Oh, c'est con. Oh là là, on a mal joué, merde. Pourtant, c'était là, je comprends pas. Pouf, ça a disparu. C'est formidable. Donc juste, on est passé de 10 à 134 personnes qui suivent. Donc, on est pas loin de la Madeleine, l'église de la Madeleine à Paris. On est devant la Monte dei Paschi Bank, qui est en faillite dans des beaux bâtiments. Avec donc quelques gilets jaunes qui sont venus bloquer l'entrée, hein. T'as du blocage encore, hein. Pendant qu'on explique... Ils se bloquent très bien eux-mêmes, mais c'est déjà surprenant qu'ils aient le budget pour une porte, hein, parce qu'avec l'année 2017, 3,5 milliards d'euros de pertes, c'est quand même des champions de chez champions. Hein. Bon alors après, on se moque de... C'est pas pour se moquer des banques italiennes, hein, puisqu'en France, on a aussi une très bonne situation. Si vous avez suivi nos précédents lives, vous pouvez en témoigner, vous pouvez le savoir, on vous a balancé de la data à ce niveau-là. Il n'y a pas un mois, une semaine, un jour qui se passe sans que le Crédit Agricole se fasse taper sur les doigts de la part de la Commission européenne parce qu'ils falsifient leurs factures. Ils le font tellement mal qu'en plus ils se font gueuler. C'est pour vous dire le niveau formidable de ces branquignoles. On a parlé de BNP Paribas, d'HSBC qui enchaîne les placements absolument désastreux. Voilà. Donc je le rappelle, hein, pour ceux qui s'imaginent que la finance, etc., c'est du virtuel, bien sûr que c'est du virtuel. Bien sûr, on est sur de la création d'argent, c'est l'argent qui crée l'argent. On est sur de l'investissement, il n'y a pas d'activité productive réelle, il n'y a pas d'investissement sur des structures, il n'y a pas d'investissement sur le pays. Non, c'est... Oui, mais ce virtuel, il y a de l'importance pour le réel aussi. C'est-à-dire qu'il va impacter sur le réel. Quand on est à 3,9 milliards d'euros pour dépanner une banque qui est la troisième banque d'affaires italienne qui est basée à Sienne, donc une petite ville, hein, c'est l'équivalent de Garges-lès-Gonesse, hein, Sienne, en Italie. Une petite ville, et qu'on va prendre du trésor italien, donc du trésor qui est nécessaire pour les investissements publics, et qu'on va donner 3,5 milliards d'euros de sommes à des banques privées parce qu'elles ont fait faillite sur des crédits default swap, ça a une implication sur l'économie réelle. Ça a une implication sur l'économie réelle, et ça traduit surtout un rapport de force qui existe. D'ailleurs, quand des pouvoirs publics sont obligés de renflouer des banques privées, c'est qu'ils en bouffent, c'est qu'ils en mangent, c'est que leur présence est soi-disant nécessaire et qu'ils nous ont mis dedans. On a bien illustré le conflit d'intérêts pour ceux qui nous rejoignent entre Mario Draghi, l'actuel patron de la BCE, qui avait décidé à l'époque de cette attribution d'une somme colossale qui est 3,9 milliards d'euros
sur le trésor italien, donc qui a été très bien remboursé depuis. En une semaine, alors on revient sur la montée des Ipasqui rapidement, en une semaine, pour vous dire le niveau colossal de ces sémillants banquiers, le titre en bourse a perdu 10%. 10% de sa valeur immédiate est perdue, et la capitalisation de la banque passe sous la barre des 4 milliards d'euros. Oh merde! Oh là là, c'est pas le bon canasson hein, quand même. Mais alors tout va bien pour ces gens-là, je vous rassure. On leur souhaite un bon rétablissement financier, mais tout va bien puisqu'ils sont épongés. C'est-à-dire qu'ils ont des garanties sur leurs investissements. C'est pas eux, hein, c'est pas l'argent de leur poche. Hein, c'est pas l'IOT qui va sauter si jamais ils se font attraper. Ils nous feront une kerbielle. Tu sais ce que c'est faire une kerbielle? On prend le pauvre trader du fonds de caisson, on balance devant la justice. Voilà, t'as fait des investissements sous nos ordres, tu les as perdus. Bah maintenant tu vas aller en taule pendant que nous on va continuer sur nos investissements. Dans les initiés, on appelle ça un fusible. Oui, bah, voilà, tout à fait. C'était le fusible. Tout à fait. Ne serait-ce pas fait exprès de leur part faire perdre de l'argent pour en fait peut-être mieux en voler ou... Perdre ou gagner n'a aucune importance. Perdre ou gagner n'a aucune importance en réalité puisque cet argent gagné se fait pour les investisseurs, les actionnaires ou les investisseurs dans la banque. Il se fait pour les gens qui ont leur argent placé dans la banque. Je vous rassure, un banquier, il ne place pas son argent dans sa propre banque. Il l'a confortablement en cash sur des fonds offshore. Il n'y a pas de problème pour lui. Hein. Il ne bouffe pas de sa merde. Hein. Je vous rassure, c'est des gens qui ont quand même des goûts assez élevés. Puis je vais te dire une autre raison pour laquelle ça n'a absolument pas d'importance de faire des pertes. On prend le cas de la montée des Ipasqui qui est derrière nous là. Donc titré BMPS. Qui est actionnaire majoritaire, d'après toi, de la banque montée des Ipasqui qui se trouve derrière nous? Je te dis même actionnaire majoritaire à 68,2%. C'est-à-dire qui détient 68,2% du capital de la banque qui est derrière nous? Eh ben c'est le trésor italien. c'est l'argent du trésor italien qui fait l'argent du capital de la banque Monte dei Paschi. Voilà, donc quand il réalise une perte, ça veut dire que vous faites l'opération chez vous, 3,5 milliards d'euros de perte avec 68,2% du capital de la banque émanant du trésor italien, c'est-à-dire de l'argent public. Voilà. Faites le calcul chez vous, c'est d'autant plus d'argent qui n'ira pas dans les écoles, qui n'ira pas dans les crèches, qui n'ira pas dans le soutien aux handicapés, qui n'ira pas dans la réparation des routes, dans les pensions retraites. Donc directement, on vole le peuple. C'est du vol pur et simple. D'accord. Vol pur et simple ayant été décidé non pas démocratiquement en assemblée, non pas ni par toi, ni par moi, etc., ni par le peuple italien qui est le premier concerné ici. On a déjà montré ce que ça donnait en France la semaine dernière, on l'a montré lors des élections précédentes. Pour ça que là, on va railler un petit peu, et puis c'est beau l'Italie, mais malheureusement, il nous apporte pas le soleil. Hein. Mais bon, ça c'est parce qu'on est devant une banque, à mon avis. Mais de toute façon, on s'en fout, c'est de l'argent perdu, comme ça, pour le peuple italien. C'est de l'argent perdu sur des fonds publics que ces gens-là perdent et investissent en bourse. C'est-à-dire leurs prétendues primes de risque, etc., leurs investissements risqués. Oui, moi aussi, je peux risquer des investissements et faire des investissements risqués avec ton fric. Tu me files ton fric et je vais le placer. Je suis pas sûr de le regagner, mais il y a moyen. Tu vois, c'est formidable comme donc, système. Donc, en fait, il justifie ses pertes d'argent pour dire au peuple de payer des taxes en Italie, comme en France un peu. Bah, en gros, on les vole pour leur dire de payer, en fait. Tu les voles, mais derrière... C'est quand même, il va falloir renflouer les banques qui t'ont volé. D'ailleurs, tu te fais, au moins dans un racket traditionnel, tu sais, tu te fais défoncer dans une allée, tu perds ton portefeuille. Là, le type revient 10 minutes plus tard, il te repique ta carte bleue, tu sais. Et ça n'arrête, et ça ne s'arrête jamais. Et ce qu'il faut bien expliquer aussi, c'est que jamais, 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 au grand jamais, ces banques-là ne font du risque et ne risquent de fermer. Si elles ferment, c'est une autre champignonnière, c'est une autre qui pousse à côté. On retrouve les mêmes équipes qui vont réinvestir dans d'autres banques. On a parlé du cas, mais là, c'est un parmi des centaines de milliers d'oligarques qui pullulent dans ce monde et qui jouent avec notre fric sur les places boursières du monde entier. On a parlé du cas Mario Draghi. Mario Draghi, c'est un ancien de Goldman Sachs. Ça vous rappelle personne? Un ancien d'une banque privée qui aujourd'hui a des fonctions publiques importantes? Non, je digresse. Ça commence par Ro et ça finit par Hild. Oui, je crois que sa banque, c'était ça. Lui, c'était pas la même écurie. C'est comme dans une course de F1, tu vois. Remarque qu'il a mieux réussi puisque l'un a fini président. Mais bon, Giscard d'Estaing et Pompidou, ils ont plus beaucoup d'influence. C'était exactement. c'est formidable. C'est bon. Ah, c'est pas celui-là que tu parlais. C'est bon. Non. Ah bah, bon. Mais je suis. C'est complotiste. Il y en a tellement. Hein. Il y en a tellement qu'on se mélange dans les dates, dans les personnages. C'est compliqué, hein, dis donc. Compliqué. Quand on parle de Mario Draghi, on parle d'un homme donc, qui a commencé à Goldman Sachs, qui est en grande partie responsable de la ruine de la Grèce, de l'augmentation de la dette publique grecque, mais pas seulement, hein, qui est responsable également de la dette publique de Chypre. Je rappelle la situation chypriote. Vous vous levez un matin, vous allez à votre banque, vous tentez de faire un retrait, ne serait-ce que 20 balles pour aller payer votre pain. Porte fermée, plus de fric. Ouais. Adieu. Voilà, comme ça, du jour au lendemain, c'est formidable. Hein. Plus de 50% de chômage.
plus de 50% sur 2016. C'est formidable. Hein. Là, depuis que la banque s'est effondrée, effectivement. Là, c'est bien. Là, on voit l'implication. On travaille pour votre futur. Et donc, juste sur Goldman Sachs, c'est très important ce que tu dis parce que, en fait, pour que la Grèce rentre dans la zone euro, il faut. C'est par rapport au compte de Monte dei Paschi que tu as parlé tout à l'heure qui ont été maquillés. Ouais. Ben, la technique n'est pas du tout propre à cette banque-là, on s'en doute. Ben, un autre exemple, c'est justement Goldman Sachs qui, pour que la Grèce rentre dans les clous monétaires de la zone euro, a maquillé les comptes. Voilà. Donc c'est Goldman Sachs qui a fait ça. Or, qui était à la tête de Goldman Sachs Europe à l'époque où ces comptes ont été maquillés pour que la Grèce rentre dans l'euro? Conclusion, Mario Draghi. Mais Mario! Oh, bah merde alors! Bah Mario, mais il est bien, moi je l'aime bien. On est critique de Mario Draghi, moi je vois pas pourquoi. Surtout que, attendez, bah tiens, il y a des gens plus intelligents que moi qui ont fait le calcul. C'est formidable, je l'ai sur ma fiche. Donc le ça, on part d'une perte en deux jours, hein, concret sur les marchés boursiers. Je vous lis, ça c'est Les Échos, hein, c'est pas Conspi News. Les Échos dit, la capitalisation de l'établissement siennois est tombée à 3,88 milliards d'euros. Une bagatelle. Bon, il partait de loin, hein, donc ça va. Les deux premiers jours de la semaine, l'action a chuté de 10% à 3,62 euros. 3,62 euros pour une action de la Monte dei Paschi, c'est vraiment minable. Mais bon, c'est pas grave. Soit une perte hypothétique pour son principal actionnaire, l'État italien, de 3 milliards d'euros. Oh merde. Vous voulez dire que concrètement, on a des investisseurs privés de banques privées qui font des investissements risqués, maquillent leurs factures, font des pertes logiques, pas sur leur capital, qui le font sur celui de son actionnaire majoritaire, l'État italien, et sur l'argent que les gens ont placé dans leur banque. Ouais. C'est quand même formidable. C'est-à-dire, oui, on va prendre beaucoup de risques avec votre fric, il n'y a pas de problème. Voilà. La facture concrète, pour l'instant, s'élève à une bagatelle de 3,9 milliards d'euros que l'État a dû débourser. 3,9 milliards, on est en plus, hein, parce que ça, je rappelle, c'est le plan de sauvetage qui a été décidé un an avant 2017, hein, donc un an avant cette perte nette, cette nouvelle perte nette de 3 milliards d'euros de la part de l'État italien. C'est formidable, hein. Donc voilà, c'est formidable. Alors on est à un total à peu près de... Alors Les Échos nous dit à peu près, on est à 8,1 milliards d'euros de pertes nettes pour une banque, qui est une banque siennoise, qui est la troisième banque d'investissement italienne. Imaginez pour les banques plus importantes. Question, pourquoi cette banque se retrouve en France vu qu'elle est italienne? Ah, mais les banques ont des filiales partout, mais à l'image de leurs dirigeants. À l'image de leurs dirigeants et des gens qui y travaillent, la seule chose qui ne connaît pas les frontières, c'est le capital, mon bon ami. Donc, et puis à l'image des banques françaises, qui sont très présentes en Italie. Oui, tout à fait, mais ailleurs, vous trouvez... En échange de mon procédé. Mais tu vois HSBC, on en parle en permanence, HSBC, je rappelle que HSBC, ça vient de Hong Kong, tu vois. C'est formidable. Non, mais c'est anglais. Même si ça vient de Hong Kong à l'époque. C'était à l'époque où Hong Kong était anglais, oui, puisque les Anglais ont transmis aux Chinois leur expertise comptable incroyable. Merci. Merci à eux. C'est bien. So British. Je rappelle, à la même période, hein, où ils revendaient illégalement de l'opium aux Chinois pour pouvoir justifier une intervention militaire. Voilà, ça c'est l'histoire qu'on ne dit pas de la première guerre de l'opium et de nos formidables Anglais qu'on adore. La liberté du commerce. Mais alors bon, voilà, je sens quand même que... Je sens quand même qu'il y a besoin d'un peu plus de lourd. Tiens, bah moi j'ai trop parlé, je suis malade, je vais commencer à me fatiguer. Est-ce que tu voudrais bien lire? On filme pas. Je vais bien nous lire le dernier paragraphe, parce que ça c'est du lourd les amis. Si on était pour l'instant sur la perte nette d'une bagatelle d'environ 8,1 milliards d'euros pour l'État italien, là on va aller sur quelque chose d'encore plus lourd. D'accord, le dernier paragraphe? Le dernier paragraphe, okay. Je te laisse lire. En mars 2013, David Rossi, responsable de la communication de la banque, est retrouvé mort au siège de la banque à Sienne. Qualifié de suicide, sa défenestration reste suspecte. Le bureau et le domicile de Rossi, comme ceux d'autres collaborateurs de la banque, avaient été perquisitionnés par les enquêteurs le mois dernier dans le cadre du dossier d'acquisition de la banque Antonovetta en 2007. La police retrouve plusieurs mails gardés dans son ordinateur et adressés à Fabrizio Viola. Le directeur général de la banque Rossi y assure vouloir parler au procureur chargé d'enquêter sur le scandale éclaboussant de la banque. De plus, la partie finale de la vidéo de la caméra de surveillance où apparaît la chute de David Rossi a été coupée avant l'arrivée des secours. Ces détails incitent la justice à rouvrir l'enquête en 2016. Voilà. Donc, en gros,
y a quelqu'un qui est mort en Italie, qui travaillait dans cette banque. Et il y avait une caméra de surveillance qui montrait quelques éléments importants. Et ils ont préféré supprimer une partie de cette vidéo qui reste totalement... On se questionne, on se pose encore des questions. Pourquoi cette vidéo, on ne la voit pas entièrement? Mais... Sachant que des personnes qui étaient très importantes dans cette banque sont visibles sur ces vidéos. On peut les voir sur Internet. Hein. Bon alors oui, concrètement il y a une enquête qui a été ouverte, hein, soyez rassurés, puisqu'on parle quand même d'un homme, hein, David Rossi, c'était pas n'importe qui, hein, c'était le responsable com, hein, c'était le dircom de la banque, c'est celui qui est chargé de la communication. Et David Rossi, bon, en mars 2013, il en a un peu gros sur la patate, des montages financiers, des pertes nettes, des mensonges permanents dans l'acquisition de banques plus petites. Et donc il va commencer à ratifier des mails et il va prévenir sa hiérarchie qu'il va balancer tout le dossier. Et alors, c'est fou quand même, qu'est-ce qui lui arrive à monsieur David Rossi, regretté, qui est un petit peu plus juste que les autres et qui l'a payé de sa vie. Il a chuté mystérieusement, comme ça, après avoir été tabassé, de la fenêtre de son bureau du troisième étage, en arrière, parce qu'on a projeté, pardon, c'est du complotisme. Il a glissé sur son bureau, il est tombé sur le dos, trois étages plus bas. Concrètement, hein, trêve dans le bloc de bois, il a été assassiné par sa hiérarchie. Donc ces banques non seulement jouent avec votre argent, jouent avec l'argent des contribuables, mais ce sont de tels salopards qui sont prêts à assassiner les gens. David Rossi, père de famille, hein, donc un père de famille honnête, un peu plus honnête que les autres du moins, parce que lui n'était pas un banquier, contrairement à ces salopards et aux salopards qui l'ont buté, c'était un dircom. Et donc quand il a voulu balancer tout ça, il s'est fait tuer. Ils l'ont balancé du troisième étage, il a agonisé pendant une demi-heure sans que rien ne soit fait, sans qu'aucun de ses collègues ne l'ait vu, sans que la police s'en soit prévenue, sans que la police s'en soit avertie. Voilà. Après, c'est quand même du beau travail de tâcheron, puisque malgré le fait que l'enquête ait été close dans un premier temps, il y avait tellement d'éléments à charge pour prouver qu'il avait été assassiné, que l'enquête a été rouverte l'année dernière, en 2016, pardon. L'enquête a été rouverte depuis, donc on attend les conclusions de l'enquête. Elle prend son temps. Il n'y a pas besoin d'être Miss Marple, honnêtement, pour découvrir ce qui se cache derrière. Donc ces gens-là assassinent, hein, quand ils en ont besoin. Nous sommes donc en face d'une banque qui pille, qui vend, qui vole, qui assassine. Tout va bien. On est dans le meilleur des mondes, quoi. Des collègues. Oui, ils sont adorables. Oui, des gens qui font partie de leur propre staff. Hein. Donc ça, c'est formidable. Ça me rappelle cette citation, je ne sais plus, de nos internautes plus informés que moi pourront s'en souvenir, de savoir la différence entre un dealer et un banquier. Tu connais la différence entre un dealer et un banquier? Non. C'est que, je crois que c'est Jovanovic qui sortait ça, qui disait « l'un des deux a été trop con pour rendre son activité légale ». Tu vois, on en est à peu près là. Bon, on va peut-être aller... Donc voilà, pour résumer... Ouais. Pour conclure, je rappelle qu'on est devant la banque Monte dei Paschi, troisième banque d'investissement italienne, qui a piqué aux contribuables italiens 8,1 milliards d'euros. Concrètement, on est sur un peu plus. Hein. Suite à des affaires de fausses factures, suite à des affaires de manipulation et de montage financier complexe sur des investissements peu rentables, ils ont volé. On est sur un petit total de 8,1 milliards d'euros perdus par l'État italien. Mmh. Tout ça arrangé par un plan de bail-out, arrangé par monsieur Mario Draghi, ouais, président de la Banque Centrale Européenne, à qui on va aller faire un petit coucou tout à l'heure. Ceux qui souhaitent nous suivre, avec grand plaisir, je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Je pense qu'il a beaucoup à nous apprendre, ça va être intéressant. Donc il ne fait pas seulement ça, cette banque, mais qui assassine aussi des collaborateurs, quand il balance un petit peu les montages financiers et ce qui se passe derrière les portes. Comme monsieur David Rossi, voilà, le regretté David Rossi, dircom de la société qui a été assassiné par ses cadres. Je pense qu'on va pouvoir aller demander un petit peu aux caméras ce qu'ils en pensent, non? Ouais, moi-même, ça me fait penser à une chose. Vas-y. C'est qu'en plus de reprendre le contrôle sur la monnaie, la création monétaire, et de le rendre comme un monopole public, en fait. Tout à fait. La séparation entre banque d'affaires et banque de dépôt, c'est pas un truc technique, technocrate, c'est de dire, en fait, quelque part, les renflouements, comme ce que tu viens d'évoquer, sont plus possibles puisqu'il n'y a plus de connivence, il n'y a plus de lien entre la banque qui s'occupe de notre argent et la banque qui spécule en bourse. Parce que ce qui a provoqué en fait la faillite de Monte dei Paschi, ce n'est pas des crédits aux entreprises qui ont été défectueuses, c'est bien en fait la spéculation boursière. Et pourquoi l'État est venu renflouer? Parce qu'il y a un lien entre l'épargne des gens, qui est gérée par les banques, et les spéculateurs, ce qu'on appelle les banques universelles, joli mot en Europe.
Et en fait, si on met fin à ce principe de banque universelle et qu'on resépare, ben, ils ont fait les conneries sur, en bourse. Ben, salut les gars, vous êtes en faillite, on ferme la porte, c'est tout, voilà. C'est le point. C'est ce qui s'est passé à Chypre. Voilà, c'est ce qui s'est passé à Chypre. Voilà. Complètement. Alors, eux ne perdent pas d'argent, hein. Vous, éventuellement, vous perdrez le vôtre. Mais bon, ça, c'est, ça ils s'en foutent. Là. Donc, c'est très important, à mon avis. Ouais, bon, on va aller peut-être poser d'autres questions aux camarades. Pas de raison que ce soit pas monopolisé. Alors, les amis. Oui. Vous n'avez pas été embêté par les cadres bancaires? Non. Vous n'avez pas été les embêtés non plus? Alors, on a essayé, mais je pense que la pluie leur a fait peur. Ils n'ont pas osé sortir. Ah, mais ça va, ils ont soulevé, ils ont pas, ils ont compris. Ouais. Et en plus, on a pu discuter avec une dame qui est rentrée dedans, qui était très intéressante. Une cliente ? Ouais, elle était architecte. C'était quelqu'un de la haute société italienne. Donc, elle a été spoliée de ses biens avec fermeture des sociétés de ses parents, tout ça. Et donc, elle a fui l'Italie par rapport à ça. Et cette pauvre dame, en plus, elle est malade. Donc, et elle veut parler du problème qu'il y a eu en Italie parce qu'on est en train de subir la même chose qu'ils ont subi en 2011. Donc les bourgeois, avec cette planche de Weimar, ils se sont retrouvés pauvres. Incroyable quand même. Donc cette planche de Weimar, quand on nous avait dit à l'époque, les bourgeoises devaient se prostituer pour avoir deux œufs, on est arrivé vraiment dans ce cas de figure. Mm-hmm. La pauvre, elle m'a fait une grande peine. Donc elle m'a donné sa carte et en espérant qu'on va essayer de la faire passer dans les grands médias parce qu'elle avait un discours très intéressant qui nous explique un peu. Donc l'histoire des Italiens, ça va être l'avenir des Français. Donc toute cette magouille internationaliste des banquiers esclavagistes internationaux, ils sont en train de faire couler tous les peuples européens. Et donc cette oligarchie bancaire et internationaux, donc eux, pour eux c'est des paradis fiscaux et pour nous c'est l'enfer fiscal. Et on lâchera pas l'affaire. Merci à vous tous. Très bien, merci. Une remarque, une réflexion à chaque fois. Non, je dirais simplement il pleut et malgré ça on est tous là, voilà. On discute, on s'informe. Donc voilà, et on lâche rien, même sous la pluie, qui vent, qui neige. Bientôt le soleil, ça va être encore mieux, on va pouvoir bronzer. D'accord. Et faire la révolution. J'ai une question quand même. Oui. Si je peux me permettre. On nous dit toujours, ouais, le mouvement des Gilets jaunes, il n'y a pas de leader. Normal, on est tous des leaders. Citez-moi une seule insurrection, je dis bien une seule, hein, qui s'est faite par le peuple, pour le peuple. Je ne vous parle pas la nôtre, hein, bourgeois, nobles, qui nous ont mis dans la rue. Je ne vous parle pas d'un parti politique adverse qui a mis le peuple dans la rue. Je vous parle pas de militaire qui a mis le peuple dans la rue. Le peuple, simplement le peuple. Ça s'est jamais vu. Enfin, le bon sens est dans la rue. On sait très bien vivre ensemble. Le mouvement du gilet jaune, si je peux me permettre, pourquoi on nous met toutes les étiquettes? Parce que regardez, on se connaissait pas. Fati, en deux secondes, on se parle. Tout le monde se parle avec tout le monde en deux secondes. Et ça, eh ben c'est ça le mouvement du gilet jaune. On apprend à se connaître. Donc il n'y a plus de barrière, il n'y a plus Paris, banlieue, province, l'âge, les générations. Il y a l'oligarchie et le peuple qui la combat. Et ça. Voilà. Une action ? En tout cas, c'est très touchant de voir une grand-mère italienne qui a travaillé toute sa vie, dépossédée de ses biens, qui, comme elle nous le racontait, a cotisé pour la retraite italienne toute sa vie et finalement a été obligée de fuir son pays et de venir en France alors que c'était pas son choix à la base. C'est touchant. On est resté après à peine 2 heures ici et on sait déjà que notre combat est dans le vrai. Elle nous a dit exactement la même chose. Elle nous a dit que après la Grèce, le Portugal, l'Espagne et l'Italie, après que les banques aient ruiné et vidé de tout argent ces pays et donc du coup aient dépossédé le peuple qui est obligé soit de fuir, soit d'essayer de faire avec des soupes de cailloux et avec ce qui leur reste, maintenant ils s'attaquent à la France. C'est aussi, ça nous a mis un peu d'espoir qu'elle nous dise les Italiens ont... un peu plus le cœur tendre, et les Français, eux, je crois, sont plus adaptés à la révolution. Très bien, non, mais très beau message. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est très important. On a du mal à comprendre ça, vous savez, notamment le privatiser. Il faut que vous compreniez, si je peux me permettre vraiment ça, c'est très important, c'est primordial. On se bat pour récupérer notre souveraineté. Mais au final, si eux, ils ont tout privatisé, s'ils nous mettent des taux d'intérêt de merde, comment voulez-vous qu'on fasse de la concurrence? Ce qui veut dire, même si on récupère à rien. Là où ils font l'erreur, c'est moi personnellement en tant que parti politique exécutif, le peuple, tout le peuple, moi j'ai rien signé. Donc tout ce qui a été signé en notre nom, et notamment les autoroutes, on les récupère. Ils peuvent signer l'aéroport. Écoutez bien un peu l'enfumage. Ils veulent privatiser l'aéroport et donc certains te disent « Ah oui, mais sécurité ». Et là ils vous disent « Ah mais non, le personnel, donc nos douaniers, nos flics qui contrôlent, tout ça reste. Donc on est privatisé, ils prennent tout dans la poche et nos fonds publics
paye le personnel à leur service. Exactement. Eh non, mais attendez, il faut se réveiller, les gars. Comment? Soit ça s'appelle la privatisation des profits. Ah non, soit attends. La privatisation des profits et la socialisation des pertes. Ah d'accord, moi je fais partie des pertes. Est-ce que tu viens de les pertes, elles sont dehors aujourd'hui. Les pertes, ça fait 3 ans qu'elles sont dehors. Donc laissons les montées des patchs s'effondrer et nous continuer à avancer. Voilà.